Salut à tous, bienvenue pour une vidéo découverte sur la PlayStation 2 d'un des premiers jeux sortis, sortis en 2001, le Twisted Metal Black. J'ai chopé l'autre jour, je n'y ai jamais joué. Alors il faut savoir que ce jeu fait suite aux 3 et aux 4 qui étaient sortis auparavant, qui avaient été un flop monumental tout simplement parce que le studio qui les avait réalisés était Night 889 Studio, qui étonnamment avait fait la suite des Cool Borders. Je dis ça, je dis rien. Donc, sorti aux USA et en Europe, il faut savoir que notre version, donc la version PAL, a été énormément tronquée. Toutes les cinématiques ont été virées. Alors, certains disent que c'est suite au 11 septembre, là, parce qu'il est sorti après le 11 septembre 2001. Il y a des personnages qui ont été retirés. Donc, du coup, il a été vachement critiqué. Encore une fois, je n'ai même pas regardé deux let's play. Je pense que c'est peut-être plus ou moins comme ce qu'on avait connu sur la première PlayStation. Il devait y avoir une suite qui avait été arrêtée. C'est peut-être Blackout, je crois que c'était Twisted Metal Blackout, qui a été annulé, tout simplement parce que 6 développeurs ont trouvé la mort dans un accident. Et du coup, il y en a une suite qui s'appelait Twisted Metal Head On. À savoir qu'il existe aussi un Black Online, donc Twisted Metal Black Online. Et puis voilà, j'ai envie de te dire, alors ça se présente comment? Donc on voit déjà que c'est une boîte noire, hein, n'est-ce pas? Première génération de PS2. Ah, j'adore ça. Dog Games, enculé de Dog Games. Bah, ça se présente comme un jeu traditionnel, j'ai envie de te dire. N'est-ce pas? Une petite jaquette couleur avec les personnages qu'il y a dessus. Rien de particulier. Donc, apparemment, j'ai cru comprendre qu'on pouvait faire des combinaisons de touches pour avoir certaines attaques. C'est assez original, j'ai envie de te dire. Et puis voilà, j'ai envie de te dire, on va mettre la galette dans la console et on va tester ça. Voilà, encore une fois, ce sera une découverte totale pour ma tronche. Et puis voilà, voilà quoi. Sur ce, c'est parti. Et en avant le gameplay. Allez, c'est parti. Alors, on va essayer de ne pas faire tomber la console, n'est-ce pas? Alors, c'est bien, j'ai le son sur la télé. C'est vraiment bizarre ce boîtier de capture. Hein. On va voir ce que ça donne. Français, c'est mieux en français. Première fenêtre. Inco Inc. Putain. Rolling Stones, quoi. Ils ont foutu déjà $1 million là-dedans, quoi. Alors, allez voir. Ah, c'est original d'avoir Painted Black. Alors, les options. Alors, si je monte la manette, c'est pour justement. Manette. Hein. Normal. Ouais, c'est quoi ça? Ouvrir le feu. Enfin, arme avant. Virage serré. Frein. Bon. C'est quoi les gaz? Ok. C'est-à-dire qu'il faut appuyer en avant pour. Pour accélérer, ma foi. On verra. Ah, varia, d'accord, ok. Hop. En mode normal. Alors, il n'y a pas eu de cinématique, comme je disais, ça a été coupé. Scénario, choisir, auto et film. Thank you.
Alors, Junkyard Dog, Dog, Brimstone, Outlaw, Mr. Cream, Roadkill, Easy Eight, Spectre, je me rappelle de lui, Darkside, Shadow, Verrouillé. On va prendre Roadkill. Voilà. On va prendre Roadkill. J'ai un peu peur. Pas du jeu, mais de ce que ça donne. Parce que voilà. Une fois que c'est Rexel, t'en as que ça, il frit. Ouais, ok. On va voir. Ouah, c'est rapide. Oh la vache, c'est rapide. Hein. Putain, c'est nerveux. Oh la reine. C'est ouf. Il chope des armes. Alors la maniabilité, ça va. J'avais peur au début d'avoir une maniabilité de merde. J'ai plus d'armes spéciales, il faut que j'en chope une. Et les gazistes. Oh la vache, je suis défoncé. Ah, tu vois pas. T'as même des mecs qui se baladent sur la. Roaming, allez là, la facilité. Ah, c'est ouf quand même. C'est ultra fluide et ça n'a rien à voir avec les anciens. Oh la faute. On voit pas grand chose. Putain, je suis un feu. La musique sympa, ça fait film catastrophe, j'aime bien. C'est quoi ça, Rico? Ah, c'est tout qui fait la ricochet, d'accord. C'est pour faire péter. Alors, pourquoi mon énergie elle descend bien, mais j'ai pas l'impression de tout le temps toucher les autres concurrents. Allez, retourne-toi. Ah, c'est un peu la folie. À la gueule. Alors je crois que j'ai déjà perdu deux vies. À essayer de focaliser sur un ennemi. Ah, mon mec est sorti de la bagnole, alors je sais pas c'est pourquoi.
Le motard aussi de me le faire. Trop de moine, limite. Principe, c'est le motard. Mais si je chope des armes quand même. Hein. Je sais pas ce qu'ils font les mecs sur la route là. Ok, ça rebooste ton énergie. Très utile au final. C'est quoi ça? Il se prend bien en même. Ah, pas moyen de monter là. Oh, on voit que dalle. C'est du n'importe quoi. Mais il est ultra fluide, par contre ça on peut pas. On peut y enlever ça. Bon, je crois que je suis mort. Plus de vie. Quitter, je vais voir avec notre perso. Ouais, il pète. On va faire un petit fufu et on va se mettre en mode facile. Un joueur. Scénar. On change de bonhomme. On va prendre lui là. Junkyard Dog. Capture. Elle est pas mal, mais ouais, ça pète dans tous les sens, quoi. Baisser un peu le son pour la capture. Ah, déjà, hop, tu commences mal. Le mec avec deux roues autour, c'est au niveau de blindage, lui il est bien. Hein.
je sais pas ce que. Je cache pas que je vois pas trop ce que j'utilise comme arme. Ok, ça, un prochain jet de vue. Spécial. Putain, je l'ai pas buté. Allez, barre-toi. On va récupérer des armes quelque part parce que là, t'es un peu à la dèche. Allez! N'importe quoi là. À peine mec, mais qu'est-ce qu'il fout là, c'est con là. Oh joli. Ah putain, j'ai raté le spécial. C'est difficile de se focaliser que sur un gazier, quoi. Là, j'essaye. Un petit stando. Hop. Là, c'est mieux. Là, on joue un peu mieux quand même. Hein. Le ENV. Un tâche, j'ai l'impression qu'il est plus solide que celui que j'avais tout à l'heure. Ça fait quoi ça? Ça peut être long la partie, putain. En mine, ça c'est bien ça. Tu gagnes tête chercheuse. Minutes, on a pas tard d'arrêter. Ah.
Oui. Putain, j'ai presque buté la moto là. Lui là. Je sais pas comment j'en bute moi à chaque fois là. Là, je vais continuer, là, je vais le faire. Il est ce connard. Là-bas. Vous ne passerez pas. J'ai touché la trappe. C'est très dur de suivre un seul mec. Ils sont trop nombreux. Passez où le cantard? Je jouerai pas des heures. Hein. Mine de rien, ça va faire long pour vous là. Je vais foncer lui. Je crée la vague. Oh, j'ai goûté. Bon. Voilà. On va arrêter là. Faire un petit débriefing. Alors, que penser de ce jeu? Il est pas mal, il est même bien. C'est pas le jeu du siècle, mais voilà, j'y jouerai pas des heures, ça c'est sûr. Donc, il fera partie. Je pense que le mieux, c'est un multijoueur, parce que tout seul, quand même, c'est tendu. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce jeu. Si vous l'aimiez, si vous le détestez, si vous ne le connaissiez pas. Et puis, n'hésitez pas à argumenter. Allez, salut, à la prochaine.